Ton oncle, il s'appelle comment? Bidin. Comment il s'appelle? Bidin. 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 Et qu'est-ce que tu as fait pour cette vie? Ok. C'est vraiment important. Après les aveux, nous prenons la personne dite sorcière et qui va parler. Parce que vous avez entendu que dans les aveux, elle a dit tout à l'heure, j'ai appelé son âme. Ils connaissent le pouvoir de la parole. Or, la parole est sacrée. Donc, le Dieu connaissant ça, nous allons prier maintenant pour les victimes. C'est-à-dire, elle doit annuler ce qu'elle a fait sur eux. Dès qu'elle fait ça, les données changent sur le plan spirituel. Amen. Les données changent immédiatement. C'est ce que nous allons faire. Vous allez vous mettre en genoux. Vous avez déjà délu, vous avez déjà fini. Jésus va te délivrer. Donc tu regardes bizarre. Non, moi je regarde âme à sauver, il doit sauver son âme. Il doit la racheter des griffes de Satan. Elle ne doit plus faire ça. Or, si j'ai sauvé son âme, gloire à Dieu. C'est une victoire. Or, si je la tue, c'est une défaite. Parce que j'ai besoin des informations. Or, quand Satan la voit dans notre camp ici, avec Dieu là, lui, il est perdant. Vous comprenez? Voilà. Donc, aidez les gens dans leur délivrance. Le petit l'avait lu, on l'a abandonné ici. Il dit à son oncle qu'il est. Il le sodomise, il est pédé. Son oncle dit, ah, ok. Même pas au revoir, il a décidé de partir. Non seulement ça, tu me sodomises, tu viens chez ma femme. Donc au revoir. Même au revoir, tu n'avais pas dit de partir. Non, c'est bête la société. Ok, nous allons prier pour vous. Tu vas dire que tu as mis les choses sur ton papa. Ok. Et que tu as mis les choses sur ta maman. Ok, allons-y. Alors, je le fais. Dis, parle. Tout ce que tu as fait, tu annules. Tu n'as plus d'emprise sur sa vie. Tu ne contrôleras plus jamais sa vie. Il faut parler. Comme toi, je vais prier. Je Amen. De cette action, je brise le jour. S'il te plaît, laisse-moi. Je brise le jour de la servitude en libérant ton âme, tes finances, toute ta destinée. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Allons-y. Je libère mon appartement. Je libère tout ce que j'ai eu sur toi. Je libère tout l'esprit de mon appartement. Je libère tout ce que j'ai eu dans ta main. J'enlève tout ce que j'ai eu dans ta main. J'enlève. J'enlève tout ce que j'ai eu dans ton appartement. Je libère ton âme, ton esprit. Et tout ton être par la puissance qui est dans le sang de la vie, manifeste entièrement ta délivrance au nom de Jésus. Ils ont fait ta délivrance la dernière fois. Vous essayez de prier pour lui. Oui, parce que je vois un crapaud dans son ventre. Oui, j'ai un crapaud. Pendant que je suis en train de prier, dis-nous l'esprit. Allez vous asseoir. C'est une étape. Non, j'ai une étape importante pour elle. On va maintenant procéder à sa délivrance. Bien. Pourquoi tu n'as pas tout dit? Tu viens de délivrer. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Il y a deux petites choses qui sont parties. Il y a deux petites choses qui sont parties. La vie de ma jeunesse. Elle s'appelle Marie. Je te vois.
bouche ton ventre. Dans la vie de ma conscience. Lâche-le. Commande. Allez. Feu. Commande. Allez. Lâche-le. Feu. Allez. Feu. Sors. Allez. Lâche-le. Tu vas partir. Libère-le. Lâche-le. Lâche-le. Or, ce pouvoir qu'il a, ça peut te noircir. Oui. C'est-à-dire le pouvoir qu'il a en lui, là. Ça peut sortir pendant que tu passes, ça te noircir. Tu as l'impression que partout tu vas, tu échoues. Lâche-le. Le feu sur toi. Le feu. 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 Lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Va. Va. Feu. Allez. Commande. Allez. Feu. Lâche-le. C'est un risque de délivrer un sorcier. Nous sommes habitués. Lâche-le. Manifeste pas, Eva. Lâche-le. Voilà, va-t'en. Libère-le maintenant. Le feu sur toi. Toi qui es logé là dans ce ventre. Le feu sur toi. Feu. Voilà, feu. 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 Allez. Feu. 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 Allez. C'est cela qu'il est possédé. Il a un esprit en lui. C'est-à-dire que le corps est là, mais un esprit vit en lui. Or, s'il n'est pas débarrassé de ce démon, il est encore sorcier. Malgré même les aveux, il demeure sorcier. Lâche-le. Le feu sur toi. Tu m'entends? Qu'il se vante. Feu. Commande! C'est toi. Feu. Feu. Commande. Lâche-le. Au nom de Jésus. Le feu. Lâche-le. Lâche son ventre. Lâche-le. Va-t'en. Tu m'attends? Va-t'en. Le feu sur toi. Le feu consume.
tes œuvres dans ce corps et dans ce ventre. Lâche-le. 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 Feu! 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 Allez! Feu sur toi. Feu! Le feu. Le feu consume tes œuvres. Lâche-le! Lâche-le! Feu! Feu! Allez! 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 Va-t'en! 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 Feu! 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 Vous êtes en sécurité, il n'y a rien. Amen. S'il doit partir, c'est pas dans votre corps, il va rentrer. Il sait où les quitter. Allez! Allez! Voilà, va-t'en! Va-t'en! Feu! Va-t'en! Va-t'en! Va! Va! Lâche-le! 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 Allez! Feu! Feu! Allez! Lâche-le! 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 Le feu! Le feu! Consume! Non, laisse-le! Reviens! Reviens! Allez! 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 Viens! 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 Écoute-là. Viens! Arrête-toi! Commande! Allez! Commande! Allez! Lâche-le! Lâche-le! Va-t'en! Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Allez, le feu dans ce vent, maintenant même, au nom de Jésus, lâche-le, va-t'en, libère-le, j'invoque le feu, or, si Dieu m'ouvre l'esprit, les yeux, pour me montrer la présence d'un démon dans un vent, c'est qu'il est dangereux. Or, si je ne l'émile pas, je ne détruis pas ça, c'est le démon qui m'attaque. Lâche-le. Quitte. Quitte. Allez! Feu! 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 Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Au nom de Jésus, je maudis ta présence là dans ce corps, dans le nom de Jésus. Allez, c'est une lutte, il y a une force, c'est une force, vous voyez quelque chose en train de passer dans son ventre, c'est une lutte, l'esprit en train de lutter avec cette force de Dieu. Oui. Lâche-le. Oui, lâche-le. Comment? Feu! Feu! La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Dans la mer.
matin, je t'envoie dans la barre. Maintenant, lâche-le. Lâche-le. Vomis. Tu vas me rendre ça maintenant, ça sort avec ta bouche. C'est où les quitter, ça va la partie. Quitte son ventre. Maintenant, quitte. Quitte son ventre. Quitte. 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 Feu. T'es bien dans la seule unité. Ok. Lâche-le! Rampe! 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 Non, où c'est l'objet de quitter les voies? Parce qu'il y a moins de mémoire. Non, j'ai pas de ceux qui a peur. Maintenant, c'est un arbre. Quitte ses corps. Libère ses corps maintenant au nom de Jésus. Libère ses corps maintenant au nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche ses corps. Lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Pousse ton cul et va. Va-t'en. Va-t'en. Voilà. Pousse ton cul et va. Pousse ton dernier cri et va. Non, Jésus. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Or, quand vous faites la délivrance d'un sorcier, c'est cette partie-là qui est beaucoup intéressante. Si le sorcier, après ses aveux, n'est pas délivré, il demeure sorcier. C'est pour ça que les gens ont l'habitude d'amener des sorciers de camp de prière en camp de prière. Et le démon est là parce qu'il n'est pas parti. Or, il va faire des aveux, il peut faire des aveux, mais l'esprit est là. Il faut que l'esprit soit chassé. Amen. Lâche-le. Ok. Je te vois monter jusqu'à son cou. Va-t'en maintenant. Va. Va-t'en. Cette vie ne t'appartient plus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Renverse-toi sur ton dos. Renverse-toi sur ton dos. Quand vous avez le pouvoir de Dieu, vous pouvez faire tout avec. Renverse-toi sur ton dos. Ok. Voilà. On en sort. Je compte à toi. Deux et trois.
Voilà, reste un petit peu. Assister à ce genre de scène, vous allez écrire des gens plutôt que les condamner. Parce que je m'en vais contrôlé par un esprit. Il est prisonnier lui-même. Or, l'esprit avant de partir, il est comme il se manifeste. Parce que c'est son habitation. Il n'est pas parti. Or, quand l'enfant est débarrassé de ce démon, c'est fini. C'est fini. Il commence à avoir des pensées positives. Tout ce qui fait positif, plus négatif. Or, quand l'esprit est dans le corps, tout ce qu'il fait est négatif, parce qu'il est contrôlé par ce démon. Est-ce que tu es... Je sais que tout le monde a tué les poulets. Nous, on tuait les poulets, mais les spécialistes dedans. On était les spécialistes dedans. Quand vous tuez un poulet, hein, au départ, le poulet, vous le gorgez, et puis, quand il commence à mourir, et vous sentez que hein, la vie en train de partir doucement, vous voyez, après ça il devient inerte, c'est comme ça. Sinon tout à l'heure qu'il a poussé un cri, deux cris, le démon est parti. Comment il s'appelle? Vous connaissez? Lucien. Lucien, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh. Si l'enfant possédé, quand il dit Lucien, il ne pourra même pas entendre Lucien. Oh, ça l'affaiblit parce que l'esprit l'a secoué sur l'affaiblit. Amen. Amen. Oh, nous pouvons avoir, nous avons ce pouvoir. Dis Amen. Amen. C'est pas une question de crasso. Donc, vous voyez, donc, il a été prisonnier d'un esprit. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant mon message? Hein? Ah. Donc, désormais, si vous voyez les sorciers, ne faites pas vite les procès. On a le... Bon. Amen. Et nous sommes en train de... C'est pour ça que nous communiquons beaucoup avec nos juridictions pour dire, s'il vous plaît, c'est vrai que parce que là, c'est... C'est meurtre, il a tué, il a fait des aveux. Mais ok, c'est vrai que la loi sanctionne cette pratique, ok. Mais le prisonnier qui est là-bas, habité par un esprit, s'il sort, ou même dans la prison, il continue de pratiquer sa sorcellerie. Amen. Or, si c'est un problème spirituel, amenez la chose aux hommes spirituels. Or, la prison ne peut pas régler le problème de la sorcellerie. Amen. On dit amen. Amen. Ça va? Ça va? C'est comme ça. Comment t'appelles Lucien? Oh, Lucien est délivré. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et moi, on a qu'à partir, mais j'ai déjà mangé, non, tu dis. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Nous venons de sauver une âme. Hein? C'est ça l'amour de Dieu. Nous venons de sauver une âme. Nous venons de désarmer Satan.
Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus? La pluie est pédée. Ce côté-là même qui ne plaisait pas chez lui. Hein? Comment tu peux abuser de l'homme puis de la femme à la fois? Tu joues. Et une chose bizarre, il dit, il prend ce tam-tam. Nous on appelle ça un village aimé. Tam-tam. C'est foutaise. Et j'ai demandé, mais pour rien, j'ai envie de taper le tam-tam. Il dit, mais un tam-tam chez nous, il dit, ouais, mais il dit, tu peux aller taper. Oh, quand on fait ça, c'est migrant que toi. Tu es là à Tunisie, tu as l'impression que ta tête sent dedans. Oh, sorcier en train de taper ta tête. Ta tête est venue bien, il tape ça. Non, la sorcellerie, c'est bête. C'est pour ça que par moment, les blancs. Ouais. Les blancs, c'est parce que ça a été éradiqué. Ce n'est plus dans leur réalité maintenant. C'est pour ça qu'ils nous font croire. Or, quand vous regardez les films d'horreur, les films de trucs, c'est la vie de la société, qui les représente. Ça va? Ça va? Quand il va voir quelqu'un, il ne va plus le voir en tant que poulet pour le sud. Monsieur, si. Quand tu vas au village, le monsieur dit, ah, monsieur, il est venu. Ton papa, c'est qui? Comment il s'appelle? Oh, il a l'habitude de te voir. Ton papa s'appelle quoi? C'est pour aller avoir les informations que tu as mangées. Tu vas aller venir dans ton papa, ton poulet là, c'est maintenant formé. Hein? C'est arrivé, il faut qu'on le mange. Amen. Amen. C'est comme ça. Ça peut aller. Ça va? Tu vas plus manger. Voilà. Voici encore une partie très intéressante. Après les aveux, parce qu'il a fait des aveux. On vient de chasser le démon. Or, s'il vient tout à l'heure prêter serment pour dire devant Dieu, les hommes, je décide à partir d'aujourd'hui, j'ai abandonné la sorcellerie. Si jamais je retourne la sorcellerie, que je meurs. Or, la Bible dit qu'on se moque de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Or, la parole est une sémence. Dès qu'il retourne, c'est la mort. Mais c'est pas dépend, c'est Dieu. Or, quand il retourne, il défie Dieu. Dieu oublie de foudroyer. Or, il y a ce qu'on appelle le pacte et puis il y a ce qu'on appelle le serment. C'est devant Dieu. Vous allez voir que les gens, ceux qui ont fini les études en les juristes, vous allez voir l'avocat, il vient prêter serment devant Dieu. Or, vous voyez, même le président de la République a été élu par les urnes. Il y a une partie sacrée de son pouvoir. Il fait ça devant Dieu. Or, s'il n'a pas prêté serment, il n'est pas président de la République. Vous comprenez? Donc, nous avons reçu ça. Pour ça que devant nous, ce n'est pas une question de crasso. Lui-même, il a dit, s'il retourne, et il prend l'engagement devant Dieu, et dès qu'il retourne, Dieu est obligé, dans l'obligation de le frapper. Parce qu'il est en train de défier Dieu. Pour ça que tous ceux qui sont passés ici, dès qu'il retourne, meurt. Celui qui vient de mourir, là, tout à l'heure, regarde, c'est ce qu'il a fait. Il dit, lorsqu'il me retournait, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à m'enfler. Il s'est enflé. Il est mort. Oui, il y en a plusieurs vidéos ici. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous allez regarder. Je suis allé filmer son corps. Il est mort. Dès qu'il est quitté ici, il avait 3 jours. Il est resté dans les morts. Il y a la vidéo, on mettra la vidéo tout à l'heure. Vous allez voir. Hein? Aujourd'hui, fait une semaine. Ouais, ça fait samedi, le samedi passé. Il est mort le samedi passé. Nous allons mettre sa vidéo, vous allez regarder. Il est mort. Oui, il a fait des aveux. Et puis, il est venu même ici, on dit, monsieur, il faut laisser ta fille. Il est dans 2-3 jours. Il dit là, ce qui j'en ai dit, ça le tuer. Il vient ici en train de jouer. Il prend les reins de sa vie pour aller faire au revient. Je dis, on ne fait pas ça. Il faut laisser. Il est mort. Amen. Dieu est quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. C'est pour ça que moi je crois en Dieu, il est tellement puissant. Ça va? Ça va? Ok. Mon heure. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'on écoutait là? Ils vont s'occuper d'elle. Ça va? Tu vas délivrer.
vous allez voir des gens, vous dites non, délivrer la personne a déjà parlé, c'est fini. C'est pas fini. Il y a tout un truc, c'est pas fini. La pitié, c'est quoi? C'est son corps. Je vois comme une écureuil volant. Quitte son corps. Quitte son corps au nom de Jésus. Lâche-le. Je disais sur aux gens, ce n'est pas de l'orgueil. Vous allez voir le marabout, il va dire qu'il guérit les gens. Vous allez voir un médecin, il va dire qu'il guérit les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction pour délivrer un sorcier. Or, quand vous attaquez, c'est le démon le plus dangereux, c'est l'esprit méchant de la sorcellerie. Quand vous l'attaquez, vous attaquez. Vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant mon message. Ça veut dire qu'il est contrôlé par un esprit. Il y a un esprit en elle. C'est cet esprit-là qui donne le pouvoir à cette fille de pratiquer la sorcellerie. En genoux. Voilà. Or, quand le démon reconnaît, se mettre, on dit tout genou fléchira devant l'agneau. C'est-à-dire que l'esprit reconnaît la souveraineté de Jésus, reconnaît le pouvoir de Jésus. Or, avec cette action, tout ce que vous allez prononcer va commencer à marcher. Je suis en train de vous enseigner les méthodes de délivrance. Or, parce qu'on a appelé à chasser les démons. Les gens ont peur, les démons dans les maisons, ils ont peur. Quand les démons viennent sur les enfants, ils ont peur de les chasser. Non, vous devez chasser les démons. Vous ne devez pas vivre avec les démons. Vous devez les chasser. Couche-toi. J'étais dans le salon de quelqu'un un jour, un médecin. Pendant qu'il parlait avec lui, sa servante va prendre le boudin. Attaquer.